c'est la conférence du 60e anniversaire de All African People. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos, à tous les téléspectateurs d'Africa News ce que c'est que cette conférence et la signification de cette importante rencontre? Ok, bonsoir Touré. Nous venons de, nous sommes à la fin de la conférence, de la commémoration du 60e anniversaire de la conférence de 1958, qui était la première conférence panafricaine qui a été organisée par Kwame Nkrumah. Plein de gratitude à l'endroit de Dieu et de nos ancêtres, et parce que la conférence de 1958 était la première grande conférence panafricaine qui avait été organisée sur le continent africain. Avant cette conférence de 1958, la plupart des mouvements, des associations et des rencontres panafricaines avaient eu lieu en dehors du continent africain, et ça a été organisé généralement par des gens des peuples de descendance africaine, de la Jamaïque, de Trinidad, des États-Unis, tout cela. Et donc, on n'est pas très long. Et donc, quand Nkrumah est devenu le head of government business en 51, et donc c'était ce qui était une victoire panafricaine, c'est comme ça que le panafricanisme allait pénétrer le continent africain. Et donc en 1958, avec George Padmore, avec lequel il était déjà en 1945 au congrès de Manchester, qui s'était focalisé sur la décolonisation de l'Afrique, et sous le leadership de W. Du Bois, ils avaient organisé cette rencontre. Et donc Padmore et la femme de Du Bois, et puis bien d'autres, ils ont organisé donc la rencontre de 1958. Et le Ghana était indépendant et il y a eu plus de 300 personnes qui étaient arrivées, donc des gens qui devaient devenir ministres, présidents, des gens qui luttaient pour l'indépendance. Ils se sont rencontrés à cette conférence qui a accéléré la décolonisation de l'Afrique. Deux ans plus tard, 17 pays africains sont devenus indépendants, et c'est comme ça que progressivement le colonialisme a commencé à mourir de sa belle mort sur le continent africain. Donc on voulait se souvenir de ce moment, mais que beaucoup de personnes ne sont pas au courant, parce que justement c'est une rencontre qui est aux oubliettes, et nous avons voulu rappeler cela aux souvenirs des Africains. I spoke about Dr. Poe and I spoke about Lincoln University.
There are many other brothers. So we are doing what we think is right. But there are some people who think that they want to compete because the idea of the 60th anniversary is shared with some other people, but they decided to go and do their separate thing. So this was happening in the 50s. That's why Paco and Nkrumah, they brought all of them together. Nkrumah was a leader, he was already a prime minister. So he had that power, and then he had the money to invite people to come. We are not there yet. We can only do what we're doing here, and we are convinced because we are sincere that we are on the right track, and then we are meeting the right people, and then we believe that you guys who are younger, we will take the struggle to the next level. But we are still alive, and then we are still alive. So we will do everything possible, you know, to take the struggle to the next level. And Ivory Coast and Burkina Faso here, and some brothers from Benin, we will continue the conversation. Last thing now, the last thing. Tomorrow, Professor Evelyn Poe is going to chair, is going to be on the panel, on the plenary. Where do we go from here? So they will try to address that. I invite all of you to come and listen. We will propose ideas. But now, in the spirit of the 1958 conference, my suggestion is this. When you leave this space, there were, after 1958, there were a series of all African people conferences for the trade union, for the youth, for the farmers, for the women, for 10 good years before they did. You can go to Africa, to Benin, to Burkina Faso, organize conferences, Pan-African conferences, on a regular basis, and ask your friends to do the same thing. And this is how we can build up a peaceful revolution, we can build a powerful movement. And maybe in 1 or 2 years, who knows? You know, we may destroy neo-colonialism, or we may destroy French neo-colonialism, and then we will take the struggle, you know, to the next level. Thank you very much. Dans le plus loin, on sait que ce genre de conférences ne sont pas faciles à organiser. Et on sait aussi qu'avec le nombre de participants et tout ce qui est fait, est-ce que vous pouvez nous donner une idée à tous ceux qui sont en bas de la commémoration de ce 60e anniversaire? Bon, pour être honnête, l'année dernière, il y a eu le professeur Campbell, qui est d'origine jamaïcaine, de l'université Syracuse à New York. À New York, c'est lui qui était le patron de la chaire Kwame Nkrumah. Et donc c'est lui qui a relancé la plateforme Kwame Nkrumah et qui avait été lancée en 2011 et qui devait se faire tous les 2 ans. Et l'édition de 2013 n'avait pas eu lieu, l'édition de 2015 n'avait pas eu lieu. Et c'est quand lui était là, il est arrivé, et qu'on a pu faire la 2e édition. Donc mon ami Mjiba Freeworth, qui est membre du All African People Revolution Party, et qui travaille avec nous dans le Revival of Pan-African Forum que nous avons lancé et à travers lequel on organisait des conférences aux États-Unis. Entre-temps, elle est arrivée ici au Ghana et donc elle travaille à l'Institut des études africaines. Donc avec d'autres amis comme Edema Douté et puis comme la directrice du département, Dr Chikata et Campbell. Donc ils avaient fait cette conférence l'année dernière. Donc c'est l'année dernière, et moi j'étais venu, l'année dernière on avait dit qu'on devait se réunir cette année pour commémorer le 60e anniversaire de cette conférence. Donc c'est la suite du travail que nous avons réalisé l'année dernière, et donc c'est ça que nous avons fait en 2018 pour commémorer le 60e anniversaire. Et Mjiba Freeworth était la coordinatrice principale de cette conférence. Et donc l'université Lincoln, où je suis, où j'enseigne, est l'université à laquelle... où Kwame Nkrumah a étudié, elle a été représentée. Donc il y a eu 7 personnes de l'université de Lincoln qui sont venues, dont la vice-présidente qui est chargée du succès des étudiants, Dr Poe, qui est mon superviseur et patron, qui est un expert en Nkrumah, qui est venu. Et il y a sa femme qui est aussi là. Et puis le président des étudiants de Lincoln University, Jabi McKnight, qui est venu. Et puis deux autres étudiants, Langston, et puis Zeina Paham, qui était la présidente du Pan-African Student Union à Lincoln University. Et donc c'est ainsi que, donc c'est vrai qu'il y a d'autres groupes, comme le Pan-Africanisme Today, donc tous ces gens-là ont mis leurs efforts ensemble, et puis nous avons pu réaliser cette conférence-là. Voilà un peu comment l'histoire de l'historique de la préparation de cette conférence. Ok, donc nous tirons à la fin de la conférence. Mais selon les participants,
il y a eu beaucoup de points de satisfaction. Nous voudrons savoir de vous qui êtes à l'intérieur de la machine, est-ce que vous avez quelques éléments de satisfaction à relever? Non, nous avons des grands éléments de satisfaction et puis voilà, on se rend compte que nous sommes sur le bon chemin. De quoi il s'agit? L'année dernière, professeur Campbell et puis Mjiba, ils avaient fait venir une bonne peut-être quinzaine ou bien vingtaine d'Ivoiriens. Et puis ils avaient fait venir aussi une bonne vingtaine de Burkinabés. Donc c'est des choses assez surprenantes, mais ils ne m'ont pas consulté et c'est ce qu'ils avaient fait. Et donc je veux dire que ce n'est pas moi qui leur ai demandé de faire ça, mais ils ont invité des Ivoiriens et ils ont invité des Burkinabés. Et ils ont respecté cette tradition cette année encore. Ils ont fait venir 25 Ivoiriens. Ils ont payé leur transport, leur logement. C'est vrai qu'ils ont pris la route. Et ils ont fait la même chose avec une communauté de Burkinabé. Cette année. Donc c'est un élément de satisfaction. Ça veut dire qu'il y a des groupes qui sont associés, qui continuent de travailler, qui continuent d'être présents. Autre élément, je ne veux même pas parler des difficultés, des tracasseries sur la route que ces jeunes traversent pour venir, pour s'informer par rapport à Nkrumah, par rapport au panafricanisme. Parce que le futur de demain de l'Afrique, c'est eux. Tout le monde parle de la population africaine qui va dépasser une quantité astronomique, mais s'ils n'ont pas de formation idéologique, ça sera encore une masse d'individus qui va être à la solde des Occidentaux. Pourquoi est-ce que c'est important quand je parle du Burkina et de la Côte d'Ivoire? Hier, Kwame Nkrumah voulait bâtir le noyau des États-Unis de l'Afrique de l'Ouest à partir de l'union entre la Guinée et le Ghana. Aujourd'hui, par rapport au contexte historique et par rapport à ce que la Côte d'Ivoire représente et par rapport au lien qui existe entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, s'il y a deux pays en Afrique qui peuvent former le noyau de l'union des États-Unis d'Afrique, j'estime que ce sera la Côte d'Ivoire et le Burkina. Chakata Diop, dans son ouvrage « L'Afrique noire », avait suggéré qu'il était plus facile de créer l'union des États-Unis d'Afrique à partir de l'Afrique de l'Ouest. Nkrumah l'a essayé avec Ghana en Guinée, ça n'a pas marché. Nous estimons que nous avons l'opportunité historique d'accélérer cette histoire de l'Afrique. Et donc, de façon symbolique, Burkina et Côte d'Ivoire, étant présents, cela nous fait plaisir. Bien sûr qu'il y a eu des gens qui sont venus du Bénin, qui sont venus du Togo, des différentes parties du monde, et nous sommes contents, mais je voulais mettre l'accent sur ces deux éléments. Donc, voilà, et puis les jeunes étaient impliqués dans les débats, et donc les aînés ont été surpris de se rendre compte de ce que les gens ont comme formation. Et l'année dernière, par exemple, il y avait le club panafricain universitaire qui était là. Cette année, il y avait certains membres de ce club panafricain qui sont là. Il y a Afrique Association Vision Future, AVF, de l'UICAO qui est venu. Et puis les gens qui sont venus du Burkina, c'est la génération Joseph Kizerbo qui, lui, était déjà à cette conférence en 1958. Donc il y a tout un symbole que nous sommes en train d'honorer. Et donc voilà des éléments de satisfaction. Maintenant, pour revenir au contenu des débats, est-ce qu'il y a des points saillants qui ont été retenus qu'il faut relever aux Africains, surtout ceux qui n'étaient pas là? Non, on lutte pour qu'on continue la lutte contre le néocolonialisme. On voudrait un peu plus d'indépendance économique. On voudrait que ceux qui sont venus soient dans une stratégie d'ensemble. On voudrait aussi faire du lobbying auprès des représentants de l'Union africaine, de la CEDEAO, toutes ces organisations qui parlent de l'unité africaine, mais parfois on se rend compte qu'ils sont un peu distraits par beaucoup de choses. Donc voilà toutes ces stratégies-là dont nous avons parlé. Quel est votre dernier mot à l'endroit des Africains, surtout ceux qui n'étaient pas là, pour la suite du combat? Non, parfois quand on parle du panafricanisme, ils nous disent que le panafricanisme est un concept abstrait. Mais ce n'est pas ceux qui parlent, ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont pas eu l'occasion de se former. Et puis, ceux qui ont une certaine formation, la formation, ils l'ont acquis. C'est des gens de la génération Kizerbo du Burkina. Ils sont très bien, sont venus, c'est des étudiants. Bon, il y a d'autres personnes qui viennent, qui sont des leaders des associations. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, ça, nous faisons notre travail. Nous n'est pas encore arrivé au point où on peut dire, ça a pris toute l'Afrique, mais nous contribuons avec les médias sociaux, avec les moyens que nous avons à contribuer à faire avancer le truc. Parce que à cette conférence-là, nous avons eu plus de... À la cérémonie d'ouverture, il y avait plus de 300 personnes qui étaient là.
Et même dans les délais où nous sommes là, nous sommes encore avec des gens qui sont partis. Il y a au moins encore 200 personnes qui sont encore là pour travailler dans les plénières. Et c'est... Et